à l'heure. Il est anglais demain? Anglais, non. T'inquiète. Bon, j'imagine que tu sais qui est Ralph Spiegel. Qui ça? Ralph Spiegel. Putain, tu débarques ou quoi? Il t'a pas briefé demain? Non. Tu sais ce qu'on vend, moi? C'est pas des bouquins sur la famille, non? C'était il y a 6 mois, ça, malheureux. Faut te tenir au courant un peu, hein. Hein? Fonds de commerce chez Pégase, maintenant, c'est ça. Tu pourrais mettre une cravate. J'en ai pas de cravate. Voilà ce qu'il nous faut. Regarde bien. Et on ne marque rien, là. Non. La première qualité d'un vendeur, Jérôme, c'est l'observation. Regarde les deux baraques. On est tombé en plein championnat. Comment ça? Ben, ils font tout pareil. Seulement, toujours un peu plus haut, un peu plus gros, un peu plus cher. Tu piges? Les jaloux. Les envieux. Tu peux être sûr que quand Madame A va décider de se payer un malheureux sapin, Monsieur B va nous planter une allée de séquoia. Ils ont la même voiture, mais essence, diesel. Monsieur s'installe une fontaine, Madame veut un moulin. Celui-là, il a un ulcère, l'autre, il va se laisser pousser un cancer. Ouais. Bonjour, Monsieur Nerval, Patrick Sergent. Un sergent de Pégase Diffusion, Paris. Excusez-moi de vous déranger, mais on avait rendez-vous avec Monsieur Bodard. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Il n'est pas chez lui, là? C'est curieux, sa voiture, pourtant. Je sais pas, on a sonné, ça répond pas. Je sais pas quand il va revenir. J'en sais rien, hein. C'est pourquoi? C'est dommage. On est bien lundi 25. On avait convenu de se voir aujourd'hui. Ben, il va être déçu. Il va être déçu, mais c'est pas de notre faute, hein. Bon, mais excusez-nous, monsieur Derval. Au revoir. Et c'est pourquoi, là, je peux peut-être vous aider? Et vous dites qu'il vous en achète chaque année? Oui, ça fait combien de temps, Jérôme, le docteur Bodard? Ça fait combien de temps? Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Oh oui. Oui. Au moins 5 ans, sûrement, oui. Vous connaissez sa bibliothèque? Splendeur. Oui. Pas Jérôme? Magnifique, avec les agencements tout ombre comme ça. Oui, les agencements, oui. Les verticales, les horizontales, hein? Vous s'appelez l'ébéniste qui lui a fait ça. Compagnon du Tour de France. Pignon? Ben non, Jérôme. Comment il s'appelle? Derval? Derval. C'est moi, Derval. Exact. Vous n'êtes pas parent avec Albert Derval, la main d'or? Je pense pas, non. C'est une grande famille, vous êtes très connu dans la région. Ma foi. Enfin bref, ce seront des volumes qui manqueront à sa collection. Excusez-moi, il vous a déjà versé un acompte, vous voulez dire? Vous plaisantez. On est chez Pégase, on n'est pas chez Rovintex, hein. Bon, en tout cas, merci pour le café. C'est délicieux. Et si je voulais vous l'acheter, moi, votre collection? Pourquoi tu dis toujours Pégase Diffusion Paris? On n'est pas de Paris. Couche de vernis en plus, c'est tout. Ne vaut